na you la do, oh, na you de radio, na you de radio. I said, and I have found nobody na you la do, na you de radio, na you de radio. Sangilia, ametenda mema Yesu Bwana, ile wa ajabu ameshinda, sifo na mauti atawale milele. Shangilia, ametenda mema Yesu Bwana, mfalme wa ajabu ameshinda, sifo na mauti atawale milele. Amina. Lasus loben, lasus loben, Jesus, lasus loben, tendehe maku, testehe Jesus, König alle Wunde erhalten sie. Vagabundo, tu n'eres qu'une, tu n'es riche. Amen. Lassus jubel, alle zusammen. Yo, lassus jubel, hey. Denn der Herr mag gut, ist der Herr Jesus. König alle Wunde, hat den Sieg. Vagabundo, tu n'eres qu'une, tu n'es riche. Amen. Nochmal, lassus jubel, lassus. Denn der Herr mag gut, ist der Herr Jesus. König alle Wunde, hat den Sieg. Die Begab und Gott und Ehre gibt nun die Ewigkeit. Amen. Der Herr ist gut. Lass uns laute Shangri-La hören. Shangilia, Shangilia, ametenda mema Yesu Bwana, mfalme wa ajabu ameshinda, sifo na mauti atawale milele. Amina. Shangilia, Shangilia, ametenda mema Yesu Bwana, mfalme wa ajabu ameshinda, sifo na mauti atawale milele. Amina. Lasus jubel, lasus jubel, Jesus, lasus jubel, denn der Herr mag gut, ist der Herr Jesus, König alle Wunder, hat den Sieg, die Begab und Tod und Ehre gibt nun die Ewigkeit. Oh, lass uns jubeln, lass uns jubeln, nochmal, hey, lass uns jubeln, hey, denn der Herr mag gut, ist der Herr Jesus, König aller Wunde, hat den Sieg. Applaus, die Begab und Tod, du Ehre gibt nun, hey, hey, lass uns jubeln, alle zusammen, lass uns jubeln, hey, denn der Herr mag gut, ist der Herr Jesus, woo! König alle Wunde, hat den Sieg. Die Begab und Tod und Ehre gibt nun in Ewigkeit. Amen. Hey, hey, lass uns jubeln, hey, lass uns jubeln, oh. Der Herr Jesus, König alle Wunde, hat den Sieg. Die Begab und Tod und Ehre gibt nun in Ewigkeit. Alléluia, Jésus est. Alléluia, Jésus est. Alléluia.
Christ Christ. Alléluia, Jésus Christ Christ. Alléluia, Jésus Christ Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, 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 alléluia, alléluia, Jésus is gross, alléluia, Jésus is gross, sing with me, Jésus is gross. Alléluia, yes, he's gross. Alléluia, yes, he's gross, he's gross. Oh, the praise and the heaven. Alléluia, yes. Amen, 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 amen. Hey, 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 hey. Do be his cross, do be his cross. Amen, 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 amen. Alléluia, yes. Amen, 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 amen. Alléluia, yes. Applause, 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 applause with the hair, applause. Applause, 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 et vous aurez cri de joie pour le Seigneur Jésus. Oh, tu es grand, tu es grand, Jésus, tu es grand. Eh, eh, eh. Oh, oh, alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Oh. Alléluia, Jésus est roi. 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 Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Applause sur les cœurs, les cœurs. Alléluia. Erhebe deine Stimme und preist den Herrn. Denn er ist der König der Könige. Er ist Herr. Er regiert für alle in alle Ewigkeit.
Er ist der große Gott. Er ist der barmherzige Gott. Er ist der Liebe selbst. Er hebt deine Stimme und sagt ihm, dass er allein genug für dich ist. Er hebt deine Stimme und preise ihn an. Sag ihm, wie kostbar und wertvoll er für dich ist. Oh, lieber Vater, wir danken dir an diesem Tag, Herr. Das ist der Tag, was du gemacht hast, Herr. Ein Tag der Freude, ein Tag der Friede, Herr. Ein Tag, wo, Herr, die Friede herrscht. Ein Tag, wo, Herr, Ruhe herrscht, Herr. Das ist der Tag des Herrn. Und wir feiern dich an diesem Tag, Herr. Denn du bist unser König, du bist unser Gott, Herr. Und wir lieben dich für all das, was du für uns getan hast und für all das, was du für uns an diesem Tag noch tun wirst. Sei gepriesen, Herr, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Oh Herr, verwirkliche deine Wunder, Herr, an diesem Moment, an diesem Ort. In Jesus' Namen. Über dem Meer baust du
strahlst du den Himmel aus. Licht ist dein Kleid und du fliegst mit dem Wind, du bist Gott und ich bin nur dein Kind. Du setzt die Sterne ins Himmel zählt, du fährst auf den Wolken und durchkriegst die ganze Welt. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag, du bist Gott, was auch immer geschieht, deine Herr, deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit, deine Schönheit in Ewigkeit, ich will singen von dir her. Mein Leben lang und ich lobe, solange ich bin, deine Herrlichkeit. Bleib für alle Zeit deine Schönheit her. Die Ewigkeit, ich will singen von dir her. Mein Leben lang und ich lobe, solange ich deine deine Herrlichkeit, bleib für alle Zeit deine Schönheit. In Ewigkeit, ich will singen von dir mein Leben lang und ich lobe so lange. Encore une fois, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, bleib für alle Zeit, deine Schönheit her. In Ewigkeit, ich will singen von dir mein Leben lang und ich lobe, solange ich will. Und ich lobe, und ich lobe, so lange. Und ich lobe, Jesus. Oh, oh, oh. Und ich lobe, lobe, so lange ich will. Für seine Liebe und seine Treue. Erhebe deine Gegenwart in dein Leben. Lass uns beten. Und wir laden die Schwester Sabine, während sie hochkommt, applausen für den Herrn. Que le Seigneur soit loué. The Herr ist gut. Le Seigneur est bon. The Herr ist gut. All the time. Und alle Zeit. The Herr ist gut. Und alle Zeit. Alle Zeit. The Herr ist gut. Amen. Amen. Ja, es ist die Zeit gekommen, dass wir ein Wort von dem Herr, dass wir alle ein Wort von dem Herr bekommen. Le moment est donc venu pour nous tous d'entendre la parole de Dieu.
Unser Thema heute Abend lautet der Feind unserer Seele. Le thème de ce soir s'intitule l'ennemi de notre âme. Der Feind unserer Seele. L'ennemi de notre âme. Dafür werden wir in 1 Samuel Kapitel 1 Vers 3 bis 8 lesen. Alors nous allons lire dans 1 Samuel Kapitel 1 chapitre 1er Vers 3 à partir du 3e verset jusqu'au 8e verset. Je vais lire tout simplement en allemand et la version française va s'afficher que vous allez pouvoir lire. Mais avant de lire, je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton œuvre à la croix. La Bible nous dit que le jour où tu as donné ta vie, le voile qui était dans le temple a été déchiré. Le jour de ta mort, nous avons eu l'opportunité de venir plus près de toi. Tu es le Dieu qui fait de la mort quelque chose de positif. Rien ne t'est impossible. Nous te prions de nous donner de savoir comment faire quelque chose de positif de nos situations négatives. Parle-nous aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'ennemi de notre âme. 1 Samuel 1, versets 3 à 8. Dans ma version, il est écrit: Amen. L'ennemi de notre âme. Dans le texte que nous venons de lire, il y a trois personnes principales. La première personne est Elkana, Penina et Anna. La Bible nous fait savoir que Elkana est un homme qui servait le Seigneur. Il servait le Seigneur année après année. Il quitte sa maison pour aller jusqu'à Silo pour louer Dieu et aussi lui offrir un sacrifice. Mais il ne fait pas le chemin seul, il part avec ses deux femmes et ses enfants. Elkana me fait penser à ce que Josué a dit. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Elkana servait le Seigneur, pas seulement avec sa femme, mais aussi avec ses enfants. Il servait également le Seigneur avec son temps, parce qu'il fallait le temps de quitter sa maison pour aller jusqu'à Siloé.
Il servait le Seigneur également avec ses biens parce qu'il offrait des sacrifices. Et mon souhait, ou bien ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous servions le Seigneur avec nos appartements, nos maisons, tout ce que nous possédons. Amen. Amen. Mais dans la maison d'Elkana, il y avait Penina et aussi Anna. Les deux étaient des femmes, les femmes d'Elkana. La Bible nous fait savoir que Penina avait des enfants. Elle avait des fils et des filles. Elle était bénie de Dieu. Elkana, il y avait Penina et aussi Anna. Mais quand même, l'ennemi a utilisé Penina pour être une ennemie à l'âme de Anna. Les ennemis de nos âmes sont parfois les gens qui sont incapables de voir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mais qui voient tout ce qu'ils n'ont pas. Et donc Penina ne voyait pas les fils et les filles que Dieu lui avait donnés. Elle ne voyait que l'amour qu'on donnait à Anna et qu'on ne lui donnait pas. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois ce que tu as et que l'ennemi ne t'utilise pas pour être un ennemi de l'âme de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais comment est-ce que Penina a donc été une ennemie pour l'âme de Anna? La Bible nous fait savoir qu'à chaque fois que Penina et Anna se dirigeaient vers le temple pour sacrifier, Penina commençait à se moquer de Anna. À chaque fois que tu te lèves pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour venir à l'église, cette voix qui te dit non, ne va pas à l'église, cette sensation de fatigue qui veut te retenir à la maison, voilà les ennemis de ton âme. Les ennemis de ta vie viennent quand tu décides de faire quelque chose pour l'Éternel, de sacrifier quelque chose ou bien de le louer. Et c'est comme ça que Penina a été dans la vie de Anna. Elle insultait tellement Anna qu'Anna perdait son appétit. Anna était dans le temple de l'Éternel, mais elle pleurait. Combien d'entre nous sommes ici, nous sourions extérieurement, mais à l'intérieur de nous, nous pleurons parce qu'il y a une situation, une dispute avec le mari, une détresse qui est à l'intérieur et qui ronge. Cette voix-là qui te dit ce qui ne va pas et qui te fait pleurer à l'intérieur. Les Penina sont des situations que l'ennemi utilise. Pas pour t'empêcher de venir dans la présence de l'Éternel, mais qui t'empêche de profiter de la présence de Dieu. Penina had
der Gegenwart Gottes geht. Und was macht Penina? Sie versucht es zu verhindern, dass du die Gegenwart Gottes genießt. Penina savait pertinemment qu'elle n'avait pas les moyens d'empêcher que Anna vienne dans la présence de Dieu. Alors Penina va essayer d'empêcher que Anna jouisse de la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous le comprenez? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais l'ennemi te fait comprendre ou bien ouvre tes yeux seulement sur ta maladie. Et tu te dis, je suis malade, j'étais malade, je serai toujours malade. Et cela t'empêche de profiter de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que Penina a utilisé pour rendre la vie de Anna amère? Le fait que Anna n'avait pas d'enfant. Penina cherche tout simplement ce que tu n'as pas. Et ne cherche jamais ce que tu as. Le bien-aimé. La Bible nous fait savoir que Elkana aimait véritablement Anna malgré le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc, Elkana a donné deux fois la portion qu'il donnait aux autres à Anna. Donc, la double portion que l'Éternel te donne, Penina ne t'amène jamais à le voir. L'amour que le Seigneur a pour toi, Penina ne te le montre jamais. Amen. Amen. Vous le comprenez? Penina ne va jamais te montrer l'amour que Dieu a tellement eu pour toi qu'il a donné son fils. Il va tout simplement te faire voir ce que tu n'as pas. Penina wird dir nicht zeigen die doppelte Anteil, die der Herr dir gibt. Und du kennst diese doppelte Anteil, diese Gnade, die du findest überall da, wo du gehst. Die Tatsache, dass du immer einen Job hast, obwohl es diese Situation mit Corona gab. Die Tatsache, dass du einen Ehemann oder eine Ehefrau hast, das zeigt dir Penina nicht. Penina ne te montre jamais ce que tu as. Il ne te montre jamais la double portion que l'Éternel te donne. Tu ne vois jamais le job que l'Éternel te donne, malgré la situation corona ou bien la situation catastrophique. Tu ne vois jamais ton mari, tes enfants ou les biens que tu as. Tu vois juste ce que tu n'as pas. Wenn wir ein Pro contra machen sollten, dann zählen wir, was Hannah nicht hatte. Sie hatte kein Kind, okay? Quand nous remarquons ou bien quand nous faisons un contrepoint entre ce que Anna a et ce qu'elle n'a pas, c'est simple. Elle n'a pas d'enfant. Sie hatte eine Ehemann. Mais elle avait un mari. Sie hatte die Liebe des Elle avait l'amour de ce mari. Sie empfing eine doppelte Einteilung während der Opfergabe. Elle reçoit une double portion lors du sacrifice. 3 versus 1. 3 contre 1. Aber komischerweise ist eine Penina da und du weißt im Tempel des Herrn. Der Herr errettet dich von solchen Menschen. Wirklich. Mais elle regarde tout simplement ce qu'elle n'a pas parce que Penina lui fait voir ça, même dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur te délivre de telle personne. Der Feind unsere Seele. Les ennemis de nos âmes. Manchmal sind die Feind unsere Seele die Menschen, die uns zu nahe stehen. Parfois, les ennemis de nos âmes sont des gens qui sont tellement proches de nous. Wäre Penina keine Ehefrau von Elkana, dann würde Anna nie weinen im Tempel. Warum? Wieso? Si Penina n'était pas aussi la femme de Elkana, Anna n'aurait pas pleuré autant dans le temple de Dieu. Aber Penina ist dir nah, meine Geliebte. Mais Penina est proche de toi, mon bien-aimé. Penina ist dir so sehr nah, dass du verstehen solltest, dass der Herr dir näher ist als deine Feinde und als deine Situation. Mais Penina est tellement proche de toi que tu dois comprendre que le Seigneur est plus proche de toi encore que la situation. Amen. Kämpf nicht gegen deine Penina, das tat Hannah nie. Ne lutte jamais contre Penina. Anna n'a jamais fait ça. Anna hörte alles, was Penina zu ihr sagte, und sie weinte, und sie war traurig, und alles, aber nie sagte sie ein Wort zu Penina.
Anna écoutait ce que Penina disait. Elle était triste et pleurait, mais jamais elle ne lui répondait ni luttait contre elle. Egal ob dein Penina ein Mensch, eine Situation, ein Gedanke, ein Gefühl ist, solltest du nicht dagegen kämpfen. Es gibt einen viel, viel besseren Weg. Peu importe si ton Penina est une situation, un cas ou une pensée, quoi que ce soit comme situation, ne te concentre pas sur ton Penina, regarde plutôt à Dieu qui est encore plus proche de toi. Denn die Bibel sagt, als Penina so tat, ging Anna im Gegenwart Gottes und sie sagte, ich werde vielleicht weinen, aber ich werde vor dir Gott weinen. Ich werde vielleicht traurig sein, aber ich werde in deiner Gegenwart traurig sein. Du wirst meine Traurigkeit sehen, du wirst meinen Schmerz sehen, du wirst es sehen, dass ich unfruchtbar bin, du wirst es sehen, dass ich Misserfolg an Studium habe. Du, Herr, wirst es sehen. Warum? Weil wenn der Herr deine Situation sieht, als du in seiner Gegenwart bist, dann wird er diese Situation ändern. Anna venait à chaque moment que Penina la mortifiait devant le Seigneur et elle disait, peut-être que je serai triste, peut-être que je vais pleurer, mais je le ferai dans la présence du Seigneur parce que lui, il verra ma situation, il verra que je n'ai pas d'enfant, il verra que je n'ai pas de succès dans mes études, il verra tout ce qui m'amène à pleurer et lui, il va agir. Amen. Amen. Penina kann dir Betrübsal geben, aber Penina kann dir nie von der Gegenwart Gottes entfernen. Sois-en certain ou bien aie-le à l'esprit que Penina peut véritablement te mortifier et te rendre la vie amère, mais elle ne peut jamais te séparer de la présence de Dieu. Amen. Ich möchte aber auch über die Wichtigkeit von Penina reden. Je veux également montrer l'importance de cette Penina. Penina hat Hanna dazu geführt, der Herr näher zu stehen. Penina a amené Anna à se rapprocher de l'Éternel. Hanna war eine sehr gesegnete Frau. Anna était une femme très bénie. Sie war eine so gesegnete Frau, dass sie einen Ehemann hatte, der wusste, dass sie kein Kind bekommen könnte, aber der sie weiterhin liebte. Elle était si bénie dans le sens où son mari, elle avait un mari qui savait très bien qu'elle n'était pas fructueuse, mais il l'aimait plus que tout. Wie viele Frauen hier träumen davon, einen Ehemann zu haben, der dich so annimmt, einfach so wie du bist. Mit deiner Art und Weise zu sprechen, zu singen, zu laufen, dass du nicht kochen kannst, dass du keine Kinder bekommen kannst und so weiter und so fort. Wie viele von uns träumen davon? Ich träume davon. Ich will meinen Elkanah. Wirklich. Ich träume davon. Amen. Combien de femmes rêvent d'avoir un mari qui les accepte malgré tout, telles qu'elles sont, sans savoir cuisiner, malgré qu'elles chantent comme elles chantent, marcher comme elles marchent, leur façon de faire. Moi, je rêve de ça. Je rêve de mon Elkanah. Anna war gesegnet. Anna était bénie. Aber wie kann ich es sagen? Manchmal, wenn wir zu bequem sind, können wir vergessen, wie wichtig der Herr ist. Mais parfois, quand on est trop à l'aise, on peut oublier l'importance de Dieu. Mit einer solchen Segnung. Avec de telles bénédictions, voilà. Ich denke, sie wäre weiterhin zum Tempel gegangen, aber nicht mit der gleichen Haltung. Wisst ihr? Je crois qu'elle serait toujours partie au temple, mais pas avec cet état d'esprit-là. Denn sie hatte verstanden, dass es nicht die Liebe einer Ehemann, die ihr geben könnte, das, was sie suchte. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass die Männer, die Menschen, die können uns Liebe haben, aber die können uns das nicht geben, wonach wir uns sehnen. Es ist der Herr. Auch wenn es durch deinen Ehemann gibt, solltest du es dir bewusst machen, der Herr hat es mir gegeben und nicht mein Mann, obwohl er mich so sehr liebt hat. Nous devons le comprendre, parfois les hommes ne peuvent pas nous donner ce après quoi nous languissons dans notre âme. Le mari ne pouvait pas lui donner un enfant aussi fort qu'il pouvait l'aimer. Donc, même quand tu as les bénédictions dans ta vie, ça peut venir par ton mari, mais tu dois être conscient que c'est Dieu qui te l'a donné au travers de ton mari. Penina, der Feind unserer Seele, ist also dafür da, um uns daran zu erinnern, dass alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Auch wenn es durch einen Mann gibt. Und dafür dürfen wir einen Applaus für Penina geben. Du hilfst uns, Penina. Du hilfst uns, wirklich. Wenn ich nicht schaffe es mit meinem Studium, obwohl ich so sehr lerne, dann verstehe ich, dass Erfolg von dir allein kommt. Hey. Dann sage ich nicht mehr, ich bin intelligent. Nein, nein, nein. Ich bleibe demütig. Dieses Misserfolg führt mich dazu, demütig zu sein. Amen. Sorry, Mama.
Les péninas sont là pour nous rappeler que tout ce qui est bien et parfait nous vient de Dieu. Donc même quand tu réussis ou bien que tu ne réussisses pas dans tes études, tu sais que la réussite là te vient de l'Éternel. Tu ne te dis pas « Oh, j'ai tellement bien étudié » ou « Je suis tellement intelligent ». Tu restes humble parce que tu sais que tout ce qui est bien te vient de Dieu. Penina hilf uns auch dazu, unsere Liebe der Herr gegenüber zu überprüfen. Penina nous aide à évaluer notre amour vis-à-vis de Dieu. Herr, liebe ich dich wirklich oder liebe ich die Gabe, die Segnung, die ich von dir bekomme? Seigneur, est-ce que je t'aime réellement ou est-ce que j'aime tout simplement les dons que tu m'accordes? Gehe ich weiterhin im Tempel, obwohl ich kein Baby bekomme, oder sage ich, ich habe es probiert, jetzt gehe ich, bleibe ich nach Hause? Est-ce que tu viens toujours dans la présence de Dieu malgré le fait que tu ne reçoives pas ce bébé que tu attends et tu dis, oh, j'ai essayé, maintenant je reste chez moi? Diene ich weiterhin den Herrn mit so viel Kraft und Leidenschaft, obwohl ich keine Erhörung zu meinem Gebet sehe, oder nicht? Est-ce que je reste fidèle à Dieu, que je le sers avec autant de détermination et d'engagement, malgré le fait qu'il ne réponde pas à mes prières ou pas? Dafür ist Penina gut für uns Christen. Et dans ces circonstances-là, les péninas sont bien pour nous, chrétiens. Weißt du selbst, okay, habe ich den Herrn gedient, weil ich einen Job wollte, oder habe ich den Herrn gedient, weil ich verstanden habe, dass Herr ist. Und ist es würdig, dass ich ihm anbete. Les péninas sont là pour nous faire évaluer, savoir si nous servons véritablement le Seigneur parce que nous avons compris qu'il est Dieu, qu'il est roi, ou bien si nous le servons par intérêt. Geliebte des Herrn, wir dürfen, wir können niemand, jemand über den Herr stellen. Das geht nicht. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais mettre quelqu'un au-dessus de la place que nous donnons à Dieu. Das sollten wir nicht tun. Nous ne devons pas faire cela. Im 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 8, sagte Elkanah zu Penina was. Dans 1 Samuel 1, le verset 8, Elkanah dit quelque chose de spécifique à Penina. Elle fragte Anna und sagt, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Il demande à Anna, Anna, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne manges pas? Warum ist dein Herz betrübt? Pourquoi ton cœur est amer? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? Elkanah war nur ein Mensch, ein Mann, jemand der lebte und der aber sterben wird. Elkanah est juste un homme, quelqu'un qui est vivant mais qui mourra un jour. Er war nicht derjenige, der die Seele von Penina, von Anna errettet hatte, nein. Il n'est pas celui-là qui a sauvé l'âme de Anna. Er war nicht derjenige, der alles für Penina tat, nein. Il n'est pas celui-là qui a tout fait pour Anna. Aber er stand und fragte seine Ehefrau, bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Bin ich nicht wertvoller als das, wonach du dich sehnst? Mais il se tient là et demande à sa femme, est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? Wenn ein Mensch dir eine solche Frage stellen kann, indem weiß, dass das, was für dich tut, dann kann Gott auch dir eine solche Frage stellen. Si un être humain est capable de se positionner et de poser une telle question, alors Dieu le peut davantage. Der Herr kann dir auch diese Frage heute stellen. Der Herr stellt dir diese Frage heute. Le Seigneur peut te poser la même question et il te demande pourquoi tu pleures. Warum bist du betrübt? Pourquoi est-ce que ton cœur est amer? Warum bist du deprimiert, ängstlich? Pourquoi tu es déprimé? Pourquoi est-ce que tu as peur? Warum machst du dir so viele Sorgen? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Bin ich dir nicht wertvoller als das, wonach du dich sehnst? Est-ce que je ne suis pas plus important pour toi que ce que tu attends? Bin ich nicht fähiger als das, was du glaubst? Est-ce que je ne suis pas plus capable que ce que tu crois? Ist eine Heilung über mich? Est-ce qu'une guérison est plus grand que moi? Ist eine Befreiung über mich? Est-ce que cela me dépasse de te libérer? Geld, l'argent, Kinder, les enfants, und so weiter und so fort. Du kannst es erfüllen mit dem, was dich gerade betrübst. Et tu peux remplacer tout ce que je cite là par ce qui te tracasse. Der Herr ist uns wertvoller. L'Éternel est plus pour und nous. Wir sollten es nie zulassen, dass der Feind unsere Seele uns dazu führt, traurig zu sein, obwohl wir in seiner Gegenwart sind. Et nous ne devons pas permettre aux circonstances de la vie nous déprimer malgré le fait que nous trouvons dans sa présence. Die Gegenwart Gottes allein sollte ausreichen sein, um uns Freude zu geben.
Seule la présence de Dieu devrait nous suffire pour être à l'aise quand nous venons dans sa présence. Amen. Amen. Ich möchte über einen anderen Punkt, so Klammer auf Klammer zu, sprechen, was diese Predigt angeht. Je vais ouvrir une petite parenthèse et ensuite la fermer tout simplement. Elkanah war ein Mensch. Elkanah est un homme, était un être humain. Er war ein Ehemann. Il était un mari. Er steht aber auch symbolisch für der Herr, der Ehemann für die Gemeinde. Mais on peut le représenter comme étant le Seigneur, le mari de l'Église. Und der Ehemann, Elkanah, der Herr Jesus Christus, erwartet von uns als Gemeinde, dass wir nichts über ihm stehen lassen. Alors Elkanah, ou bien Christ, dans cette représentation, il se met devant nous, l'Église, en tant que femme, et il attend à ce que nous ne placions rien au-dessus de sa personne. Wir sollten als Gemeinde, als Leib Christi, nie etwas über der Herr lassen. Das sollte nicht so sein. En tant qu'Église, en tant que corps du Christ, nous ne devons jamais mettre quoi que ce soit au-dessus de l'Éternel. Amen. Amen. Und als Mann, als Ehemann, en tant que mari, möchte ich auch dazu die Ehemänner, aber beziehungsweise auch die Ehefrauen dazu ermutigen. Je veux encourager les maris ici présents et aussi les femmes, sich die Frage zu stellen, kannst du deinem Ehepartner sowas sagen? À se demander si on peut aussi dire les mêmes choses à nos partenaires. Denn es gibt Ehemänner, die wissen, wenn sie eine solche Frage stellen, dann wird die Frau sagen, du bist nicht wertvoller als meine Schuhe, was erzählst du da? Il y a des maris qui savent très bien qu'ils ne pourront pas poser cette question parce que la femme dirait « Mais tu ne vaux même pas plus que mes chaussures. » Alors, Mais Elkanah savait ce qu'il faisait pour sa femme. Was tun wir oder was tut ihr als Ehemänner oder als Ehefrau? Alors, eure Partner. Que faites-vous en tant que mari ou en tant que femme pour votre partenaire? Könnt ihr auch so aufstehen wie Elkanah und sagen, ich bin dir wertvoller als all unsere Kinder? Und die Frau sagt, ja. Est-ce que vous pouvez aussi dire à votre femme, je suis plus pour toi que tous nos enfants réunis? Et la femme dit oui, en effet. Und können die Ehefrauen auch sowas sagen? Et est-ce que les femmes, à l'inverse, peuvent aussi dire la même chose à leur mari? Und für alle, die noch ledig sind und die meinen, ja, das betrifft mich nicht, du solltest dich darauf vorbereiten. Morgen solltest du auch ein Elkanah sein, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Et vous aussi qui êtes célibataire, qui vous vous dites « Ah, pour l'instant, ça ne me concerne pas », préparez-vous parce que demain, tu seras aussi un Elkanah dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ich bin am Ende meiner Predigt gekommen. Je suis arrivée à la fin de ma prédication. Ich mag eine Zusammenfassung, damit wir es noch im Kopf oder sowas haben. Ja. Je fais un petit résumé pour que nous le gardions en mémoire. Der Feind unserer Seele erscheint nicht nur im Leben von Christen, die nicht wirklich eine tiefe Beziehung mit dem Herr haben. L'ennemi de nos âmes ne vient pas seulement dans la vie des gens qui ne sont pas ancrés dans le Seigneur. Die Bibel lasst uns wissen, dass Elkanah, der Herr diente mit seinem Haus, seiner Wohnung, seiner Familie, seinen Kindern, seiner Zeit, aber hat einen Feind in seiner Wohnung, unter seinem Dach. Elkanah, la Bible nous le dit, était un homme qui servait le Seigneur avec son temps, son argent, ses biens, sa maison, tout ce qu'il avait, mais quand même, il avait un ennemi dans sa maison, sous son propre toit. Amen. Es heißt auch, wenn Christen durch Schwierigkeiten gehen, sollten wir nicht meinen, ja, geht durch ein Schwierigkeiten, weil dieses und jenes getan hat. Das stimmt nicht immer. Donc nous ne devons pas dire, quand nous voyons un chrétien traverser une situation difficile, dire, oh, il traverse cette situation parce qu'il a fait ceci ou cela. Ce n'est pas toujours vrai. Der Feind unserer Seele sind Menschen, die nicht die Augen geöffnet haben über deren eigene Segnung und die deswegen neidisch sind von dem, was sie noch nicht haben. Les ennemis de nos âmes sont des gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur la bénédiction qu'ils ont, mais ils regardent ce qu'ils n'ont pas et ils sont jaloux de ce que les autres ont. Der Feind unserer Seele sind Gedanken, Gefühle, Situationen, Beziehungen, die es verhindern, dass wir uns wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Les ennemis de nos âmes sont les pensées, les circonstances, les choses qui nous empêchent d'être à l'aise dans la présence de Dieu. Die nicht dagegen kämpfen, dass wir Kinder Gottes bleiben, aber die dagegen kämpfen, dass wir aufbluten als Kinder Gottes.
Ces choses-là ne nous empêchent pas de venir dans la présence de Dieu. Elles nous empêchent de nous épanouir dans la présence de Dieu. They find unsere Seele ist aber auch dazu gut, denn hilft uns, den Herrn näher zu stehen. Und hilft uns zu verstehen, dass alles, was wir empfangen haben, empfangen werden, empfangen können, allein von dem Herrn kommt. Mais ces ennemis de nos âmes sont là et sont positifs parce qu'ils nous amènent à nous rapprocher davantage de Dieu. Ils nous aident à savoir que tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, tout ce que nous avons jamais eu ne vient que de l'Éternel seul. Der Feind unserer Seele bringt uns dazu zu erkennen, dass Gott über alle unsere Wünsche stehen sollte. Les ennemis de nos âmes sont là pour nous faire comprendre que nous devons placer le Seigneur au-dessus de tous nos souhaits. Und der Feind unserer Seele wird immer verlieren, denn am Ende dieser Geschichte für derjenige, der weiterliest, l'ennemi de nos âmes va toujours perdre, parce que pour ceux qui vont lire cette histoire jusqu'à la fin, dann erzählt uns die Bibel, dass die Hannah doch ein Kind bekommen hat. La Bible nous explique que Anna a fini par avoir un enfant. Die Arbeit der Feind deine Seele dauert nur die Weile. Dauert nur eine Weile. Deswegen solltest du dich nicht so sehr um ihn kümmern. Le travail de l'ennemi de nos âmes ne dure qu'un court instant. C'est pour ça que nous ne devons pas nous focaliser dessus. Es dauert nur die Zeit deine Krankheit, die Zeit deine Unfruchtbarkeit oder und so weiter. Es dauert nur eine Weile, aber der Herr wird dir erhören. Le travail de nos ennemis ne dure qu'un temps, le temps de ta maladie, le temps de ton infertilité, un petit temps, mais l'œuvre de l'Éternel dans ta vie continuera. Die Beleidigungen von Penina haben aufgehört, sobald Hannah ein Kind bekommen hatte. Les mortifications de Penina se sont arrêtées aussitôt que Anna a eu un fils. Und ich bete für dich, dass du durchhält bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr deine Gebet erhören wird. Denn an dem Tag werden auch all deine Kämpfe aufhören. Et je prie pour toi que tu restes ferme jusqu'à ce que l'Éternel exauce ta prière parce que ce jour-là tous tes combats seront à terme. Amen. Amen. Der Herr segne sein Wort, der Herr segne sein Gemeinde. L'Éternel bénit sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Tu vas te tenir debout. Du wirst aufstehen. Lorsque Anna a couché, als Anna ein Kind geboren hat, la carrière de Penina était finie. Die Karriere von Penina war zu Ende. La bouche de Penina était fermée. Penina Mund war zu. Tu vas dire à Dieu, du wirst zu Gott sagen, aujourd'hui, heute Herr, qu'il arrête la carrière de tes ennemis. Bring die Karriere meiner Feinde zu ein Ende. Que la réponse de Dieu dans ta vie arrête la carrière de l'ennemi dans die Antwort Gottes soll die Karriere deines Feindes zu ein Ende bringen. Anna, pas discuté avec Penina. Anna hat nie mit Penina diskutiert. Mais la réponse de Dieu, aber die Antwort Gottes, a fermé la bouche de Penina. Hat Peninas Mund zugemacht. A fermé les querelles. Das hat alle Streitigkeiten geendet. On a pu parler de nom de Penina. Man hat nie wieder über Penina berichtet. La continuité même dans la Bible, y avait plus. Selbst in die Bibel kann man nichts mehr über Penina lesen. Parce que la carrière était stoppée. Weil seine Karriere war zu Ende. Tu vas dire à Dieu, du wirst zu Gott sagen, que l'ennemi de mon âme aujourd'hui, die Feinde meiner Seele heute, que ta réponse puisse arrêter sa carrière. Deine Antwort soll seine Karriere zu Ende bringen. Que ta délivrance arrête la carrière de mon ennemi. Möge deine Befreiung die Karriere meines Feindes aufhören. Commence à prier. Fang an zu beten. Seigneur mon Dieu, Papa, j'ai tellement d'ennemis dans mon âme, Seigneur, qui me disent tous les jours. Mais Seigneur Jésus, la seule possibilité, Seigneur, que dans ta présence comme Anne. Anne avait bien compris que la seule solution qui pouvait avoir la victoire sur ses ennemis, Seigneur de Dégoua, ce n'est pas de discuter avec Penina, mais c'est de rester dans ta présence, parce qu'elle savait que ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par le sang, mais Dieu de gloire, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, aujourd'hui, que la carrière de mon ennemi, Seigneur, s'arrête à travers la réponse qui vient de toi. Tous ceux qui sont au cœur, Seigneur, de cette situation, Éternel, ferme leur bouche, s'arrête ferme la bouche des lions, Seigneur, ferme la bouche des réclamations, ferme la bouche de tout ce qui cause notre détresse. Je vais prier. Ich werde beten. Éternel Dieu des armées,
Herr der Herrscher, nous te disons merci. Wir danken dir. Parce que nous sommes aussi comme des ânes. Weil wir wie Hannah sind. L'avantage de Hannah, elle avait un mari. Der Vorteil von Hannah ist, dass sie einen Ehemann hatte. Et ce mari s'appelait Elkanah. Und dieser Ehemann hieß Elkanah. Et nous aussi, nous ne sommes pas des célibataires spirituels. Und wir sind auch verheiratet geistlich. Mais nous avons un époux, il s'appelle Jésus. Unser Ehemann heißt Jesus. Et tant que Elkanah était vivant, Samuel était possible. Und solange Elkanah am Leben war, war es möglich, dass Samuel geboren wird. Malgré les tourments, les traumatismes de Penina. Egal wie viel Penina beleidigt hat. Et tant que Jésus tu es vivant dans nos vies, Seigneur, la réponse dans nos vies est possible. Und solange du, Jesus, in unserem Leben bist, ist eine Antwort immer noch möglich. Et tant que nous restons dans ta présence comme Anne, il y a un jour, Seigneur, que tu vas changer notre situation. Und solange wir in deiner Gegenwart bleiben wie Anna, es wird eines Tages geben, wo du eine Lösung geben wird. Et ce jour, c'est ce soir. Und dieses Tag ist heute. Que chacun de nous qui est venu en ce lieu, möge jeder von uns hier heute sort victorieux, rauskommen als Sieger, sort avec la joie, rauskommen mit Freude, sort vainqueur et restauré, rauskommen gefühlt von den Herrn. Et que chacun de nous voit son Samuel. Und dass jeder von uns einen Samuel heute bekommt. Au nom de Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Der Herr sei gesegnet. Amen. Amen. Nous allons passer pour les offrandes. Jetzt werden wir unsere Opfergabe Zeit haben. Aujourd'hui, ce n'était pas annoncé, nous allons faire une offrande spéciale. Heute werden wir eine besondere Opfergabe machen.